Yo les ultras, j'espère que ça va. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour un gameplay sur Tower of Fantasy. Alors c'est un action RPG en ligne où on y incarne un personnage qu'on crée de toutes pièces et on va se lancer direct dans l'action. Donc j'espère que vous allez kiffer. N'hésitez pas à lâcher un like, un petit commentaire si vous kiffez ou si vous en voulez d'autres. Bisous. Qu'est-ce qu'on doit faire? On est un petit personnage, chat. Dans un monde où on interagit avec des PNJ et on peut se foutre sur la gueule. J'ai différentes armes d'ailleurs. Ça c'est le dash arrière arc. Avec son ulti, ainsi que son spé spécial. Comment est-ce qu'on se repère sur la minimap, mon cher Aiden? Alors là, il faut que tu appuies sur ta touche T et tu vas voir un carré jaune qui va apparaître. Ouais. Et ça nous indique exactement où est-ce qu'on doit aller. Exactement. Et ça va t'emmener à l'avant-poste de Miroria, qui est la ville en fait qui est un peu style cyberpunk et que tu pourras visiter après une fois que tu auras fait cette mission. Et on peut aussi se déplacer du coup avec le jetpack. Oui. Oh. Vas-y Aiden, je te laisse, je te demande si j'ai besoin d'aide. Là il y a un gros lama, je vais essayer de le défoncer. Il est vachement gros celui-là, non? Mais il a vachement de vie celui-là. Moi si j'ai envie d'esquiver, j'ai juste à faire clic droit. Hop. Alors là, le temps vient de se figer, donc je vais en profiter pour lui latter la gueule. Non mais mec, c'est... Non mais il a combien de vie gros? Non mais c'est pas possible. Je refuse de continuer le combat, chat. Avec tout ce que je lui ai mis, je lui ai retiré que un quart de vie. Impossible pour le moment? Comment ça, impossible? Attends, mais j'ai plus de... Oh mec, j'ai manqué de crever! Mais laisse-moi tranquille! Heureusement, on peut escalader les objets. Technique de fuite. Hop là. Là, on a les gauche-droite. Saut. On a un double saut. On a une esquive, ce qui fait que les possibilités de mouvement rapide sont quand même bien sales. Et quand tu restes bien appuyé... Saloperie de bestiole. Avant d'aller faire ma mission, je vais découper un verre des sables. Oh. J'ai pas eu le temps d'esquiver. Mais saloperie de bestiole. Oh, ça c'était une bonne attaque, les gars. Je les déchire. Là, je viens de ralentir le temps. Donc on va en profiter pour leur latter la gueule, tout simplement. J'ai foutu un dégât de zone avec mon arc. Ok, ça en fait déjà un en moins. Lui, il est bien entamé. Deux en moins. Lui, il sort. Il m'a un peu touché, mais c'est pas grand-chose. Là, on va changer d'arme et on va le traquer dans le sable. Voilà. Est-ce que je suis bon sur absolument tous les styles de jeu? Oui. Et encore, vous m'avez pas vu au chat. Vous avez pensé quoi de ce move, chat? Il est téléchargeable absolument partout, les gars. Et d'ailleurs, merci à eux. C'est un petit MMORPG, chat. Mais c'est cool de changer de temps en temps. Ok, c'est bon, j'ai re la mission principale, vas-y. Et après, en plus, tu pourras faire plein de tirages pour avoir des persos, des armes et tout. Vas-y, d'ouf. Donc ça, c'est la ville cyberpunk qui est construite en plein milieu du désert de Gobi. Nous allons la découvrir, chat. Nous allons découvrir cette nouvelle zone. On a le professeur Shen en face de nous, les gars. T'es plus focus sur ça que la campagne MW. Mais parce que la campagne MW, je sais que j'ai à courir partout et juste à tuer tout le monde. Alors que là, vu que c'est rare que je me mette dans des délires où je joue tranquille au MMO, mais je suis plus que tu sais ce qui se passe et tout. Vas-y, je te suis, je vais découvrir. Qu'est-ce que tu vas me montrer? Qu'est-ce que tu vas me montrer? C'est gratuit comme jeu. Ils se sont fait un délire de ouf, hein. Ils se sont fait un délire de ouf sur le monde, hein. Alors attends, la suite de la mission du coup. Faut que j'aille me déplacer là-bas. N'empêche, t'as vu les moves que tu peux taper? Imagine, le mec t'arrive... Regardez, j'arrive autour d'un mec... Et je l'esquive, je lui fais un tour complet comme ça. Vachement de personnages qui peuvent te raconter tous leur histoire et tout. T'as un vrai monde. Mec, c'est trop bien. Ok. Je suis avec Lynn. Lynn, elle est posée tranquille. Moi, je suis Al. Je suis bien. Beau gosse. Oh! Excuse-moi, il y a une embrouille. Si je le tue pas, tu peux m'appeler Ramsès. Je vais tout lui mettre, les gars. Tout. Regardez ça. Ouh! Attends, mais c'est des méchants. Oh, c'est les cactus humains! Je savais qu'ils étaient chelous! On va se foutre sur la gueule. Vas-y, viens, on se la donne.
coup. Non, par contre, il m'a fait un de ses dégâts. Non, tu ne me toucheras pas. Allez hop. Je l'ai découpé, l'homme cactus, chat. Allez, go 1v2, les gars. Go 1v2, je vous prends à 2. Les gens qui sont habitués à ce genre de jeu, je suis un singe ou ça va, je me débrouille? Juste pour savoir un peu, j'ai l'impression d'utiliser mes combos au bon moment, mais j'en sais trop rien, vu que je suis pas expert du jeu. Vas-y, je pense à Mir du coup. Oh, elle a un flingue! Oh mec, c'est trop bien. Non, mec, ça a pas marché. Ah, parce que je suis au combat, mais quel enfer. Et ton arme, tu vas sûrement pouvoir la monter de niveau aussi, parce qu'à mon avis, elle va être bas niveau. D'accord. Ok. Mec, j'ai un canon du coup. Attends, vas-y, voilà. Attends, mais frérot, pourquoi est-ce que cette arme, je l'ai pas vue avant? Merci évidemment à Tower of Fantasy pour leur confiance. Merci beaucoup à eux. Chers ultras, chers ultrates, je vous souhaite à tous très très belle soirée. C'était chaud.